J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, retour de course pour 2 semaines. Donc je le fais à Lidl et à Intermarché. Je fais le plus à Lidl et le reste à Intermarché parce que du coup, il y a des choses qui sont moins chères à Intermarché. Voilà pourquoi je fais 2 magasins. Mais donc, c'est parti. À Lidl, j'ai pris 2 fois des pains pour hot dog. Donc il y en a 4 à l'intérieur. Parce que nous, on aime bien manger ça quand on a la flemme de préparer à manger. Donc c'est vraiment très 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 pratique avec des knackis. Ensuite, on a pris des beignets, on a pris des fusillis. À Intermarché, on a pris 2 fois des olives vertes. Ensuite, on a pris 2 fois, 3 fois de la crème. Là, c'est une boîte de pois chiches. On a pris 2 boîtes de thon à l'huile d'olive vierge et 2 boîtes de thon à la catalane. Ensuite, on a pris une grosse bouteille de purée de tomates. Nous, on aime bien ça. Ensuite, une petite boîte de concentré de tomates, des œufs frais, du maïs doux en x3, des linguines, ça change un petit peu des spaghettis. Ensuite, du riz basmati, donc en vrac, et des petites pommes de terre. En épices, j'ai repris de l'herbe de Provence, parce que nous, on en met pas mal dans les plats. Et on a repris de l'ail en semoule, parce que nous, on n'achète pas d'ail en morceaux pour couper après. Nous, on préfère l'ail comme ça, ça va plus vite. Donc là, on passe à la partie gâteau et boisson pour la petite. Alors, on a eu un truc de boulangerie gratuit, donc on a pris une grosse brioche. À la base, ça valait 2,99€, donc on l'a eu gratuitement. Ensuite, pour la petite, j'ai pris des petits pandas goût chocolat noisette. Je lui ai pris des petites boissons. Donc, celle-ci, c'est multivitamines et fruits rouges. Ensuite, on a déjà attaqué, c'est des gaufrettes pralinées à la noisette. Ensuite, c'est comme des granolas, mais version Lidl. Des petits beurres, mais au chocolat. Ensuite, c'est des pains au chocolat. Donc ça, c'est pas pour moi, c'est pour mon chéri. Et ensuite, des galettes de riz, parce que ma fille adore ça. Alors, pour ce qui est du frais, on a pris des fromages pour les burgers. Ensuite, j'ai pris des Babybel pour la petite, puisqu'elle a bien mangé ça. Et en termes de fromage, nous, on prend plus du fromage râpé classique, mais on prend du comté râpé. C'est super bon. Pour ce qui est des desserts, j'ai pris du fromage blanc nature. Moi, j'aime bien manger ça avec mon muesli. J'ai pris des flambis. Ensuite, ce sont des yaourts aromatisés, donc aux fruits. Et ça, on y avait déjà, donc ça c'est pas dedans, mais voilà, la petite, elle mange surtout ça pour le midi et le soir. On a la flemme de faire nos pâtes à pizza maison, donc on a pris 3 pâtes à pizza, donc de chez Lidl. Et ensuite, on a pris de l'eau de quenelle. Ma fille adore ça, donc c'est pour ça qu'on en prend toujours 2 paquets, parce qu'elle en mange au moins 3 voire 4 par repas. Question viande, on a pris du jambon italien, ensuite des knacks, des lardons fumés mais sans nitrite pour la petite, et des lardons fumés pour nous. Pour ce qui est de la viande, on a pris des escalopes de dinde à la milanaise tomate origan, ça avait l'air pas mal, donc on y a pris. On a pris à Intermarché, on prend jamais de viande quasiment à Intermarché parce que c'est très très cher. Mais là c'était en promotion, donc on a pris du sauté de porc. Donc nous on congèle la plupart de la barquette, mais on fait un gros plat avec et c'est méga bon, qu'on laisse mijoter pendant 4 heures je crois. On a pris des os de cuisse de poulet, donc là on va en congeler parce que la barquette est très très grosse. Et ensuite pour finir la viande, on a pris du haché de poulet, donc ça c'est pour nos burgers. Et ensuite on a pris de l'évincé de poulet à la façon gyros et oignon, donc ça on y fait soit avec des pâtes soit avec du riz, c'est méga bon. Ensuite, question poisson, on a pris 2 barquettes de panais de cabillaud, c'était 1,75€ en promotion, donc comment vous dire, on en a pris x2 tellement c'était pas cher. Ensuite on a pris du cœur de saumon, voilà, c'est rare qu'on en prend parce que c'est méga cher. Et ensuite du pavé de thon. Ensuite pour finir de le frigo, on a pris une barquette de fraises chez Lidl. Et juste en surgelé, on a repris les steaks hachés, c'est les top budget de chez Intermarché. Nous on a un gros stock,
comme vous pouvez voir. Donc on fait un stock toutes les deux semaines en fait, parce qu'on n'en mange pas beaucoup, mais on préfère avoir ça au cas où. Et j'ai repris des petits pois carottes parce que ma fille adore ça. Et on n'en avait plus. Voilà, c'est tout ce qu'on a pris en légumes, parce que le reste, on a tout ce qu'il faut. Donc petits pois carottes, au moins elles pourront en manger cette semaine. Et donc question boisson qu'on a pris à ces courses là, on a pris 4 bouteilles d'iced tea à la menthe. On a pris une bouteille à la myrtille, deux fois du tropical comme ceci. Et donc question boisson qu'on a pris à ces courses là, on a pris 4 bouteilles d'iced tea à la menthe. On a pris une bouteille à la myrtille, deux fois du tropical comme ceci, du jus de pomme. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est la première pour moi que je fais sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours si vous avez aimé cette vidéo et si vous voulez que j'en refasse. En tout cas, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.